Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est Hériton, votre homme serviteur. Aujourd'hui, on parle de Papito. Je sais que ce nom-là vous dit beaucoup de choses parce que c'est un super, super, super grand humoriste. Je peux pas qualifier ce monsieur-là parce qu'il est extraordinaire. On va en parler tout à l'heure parce qu'il a un one-man show dans ce mois de février. Et je pense que tous mes abonnés, en tout cas ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, vont aller soutenir ce monument de notre humour ivoire. On parle aussi de Desbordeaux qui n'est plus sur notre sol ivoirien depuis, je crois, quelques jours. Peut-être que certains ne sont pas au courant, donc je viens par cette vidéo vous informer. Et on parle aussi du grand retour de l'artiste Suspect 95 qui revient d'un gros deuil, mais qui revient de plus belle. Voilà. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, partage la vidéo et laisse aussi ton avis en commentaire. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Hériton. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Sous le parrainage de Madame Karine Guessen, cadre de Beoumi, JCE Productions et Cibal, qui présente en grande première Papitou va tout dire. Il a tout dit. Avant de chercher les femmes là, faut dire la vérité. Aimer, il paye poisson 8000 et puis aimer, il mange condiment. Samedi 27 février 2021, dès 19h, au Palais de la Culture d'Abidjan, passe 10 000, 15 000 et 25 000 francs CFA. Dans les points de vente habituels, Infoline 07 07 59 59 18. Venez, je vais tout dire. Celui qui ne vient pas, il y a le Paco. Partenaire, Trace. Ok, bon retour les gars, très bon retour à vous. Il me revient toujours en commentaire, Hériton, comment est-ce qu'on peut se procurer le livre? Oh, je vous ai dit que dans ma description, il y a le lien de la page Facebook de l'auteur du livre, L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran, qui n'est autre que Monsieur Ahmed Balaghi, et aussi son email perso. Donc, faites l'effort d'aller dans l'espace description sous mes vidéos et prendre toutes les informations pour contacter l'auteur ou, prendre toutes les informations sur sa page Facebook. Voilà, je vous ai dit que le livre il est disponible dans toutes les librairies de France et à la librairie African Kingdom, non loin de l'église Sainte-Thérèse de Makori, en face de la station African Petroleum. Donc, je pense que toutes les infos sont là et il faut passer par ces canaux-là pour vous procurer ce livre-là. Et il y a aussi le lien de la Reine Yoz qui a dépassé les 2000 vues. En tout cas, c'est pas rien. 2000 personnes ont pu entendre ce chef-d'œuvre musical de la Reine Yoz. On peut aussi savoir qu'elle ne fait pas seulement pour de l'argent, mais elle fait pour aider les enfants et les défavorisés avec son ONG, Intégration et Développement. Son lien est toujours dans la description. Le lien de son site web aussi. Donc, je pense que tout y est pour prendre plus d'informations sur la Reine Yoz et son tube en question. Voilà, allez soutenir la Reine Yoz. Allez-vous procurer le livre L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, excusez-moi, hein, publicité oblige, parce que quand des personnes nous considèrent et nous sollicitent pour ce genre de travail-là, je pense qu'il faut trouver du temps de vous en parler. Voilà. Je vais d'abord parler de Papito. Papito. Ce 27 février, du côté du Palais de la Culture, Papito nous livre un one-man show. J'ai envie de dire quelque chose que peut-être certains ne savent pas. Beaucoup connaissent l'humoriste Papito dans son rôle de bébé gâté. Voilà, où il imite la voix d'un bébé, d'un enfant en fait, je vais dire. Mais c'est plus que ça, Papito. Papito, c'est un monstre sur scène. C'est cet humoriste-là qui a la capacité de, comment je dirais, d'imiter plus de 10 voix. Vous lui donnez un nom, quel que soit le nom, quel que soit le rôle. C'est fait à la perfection, quoi. Je vous invite même à aller voir une de ses émissions avec Willy Dombo, où on lui a donné 2 minutes pour imiter plusieurs voix. Vous serez bouche bée. Et ce humoriste-là, il a son événement ce 27 février du côté du Palais de la Culture. L'entrée, c'est 10 000, 15 000, 25 000. Je pense que ces prix-là ne sont même pas à la hauteur de ce talent-là. Parce que ce monsieur-là, il est très fort. C'est l'un de mes humoristes préférés. C'est vrai qu'il n'a pas peut-être une grande cote comme ses petits frères, Amatoulaye, Joël, ou je ne sais qui, Le Magnifique et autres. Mais c'est quelqu'un qui compte plus de 750 000 abonnés sur sa page Facebook. Voilà, peut-être que c'est un humoriste qui n'aime pas faire trop le bruit, mais il est vraiment très, très influent et il est très fort dans son domaine.
Donc, j'invite tous mes abonnés. Sincèrement, moi, je ferai tout mon effort pour être là. J'invite tous mes abonnés à effectuer le déplacement du côté du Palais de la Culture ce 27 février-là. Voilà. Papito a besoin de nous et il a aussi besoin de notre force. Voilà. Donc, rendez-vous le 27 février au Palais de la Culture pour le Woman Show de Papito. Suspect 95. Vous savez, il y a quelques semaines ou un mois de cela, Suspect 95 perdait sa femme. Celle avec qui il a tout construit, celle avec qui il a galéré, celle avec qui il a évolué, celle qui l'encourageait, celle qui était son motivateur, celle qui était sa motivation. Franchement, l'a quitté. Et vous avez vu que je pense plus d'un mois, tous les réseaux sociaux de l'artiste étaient muets parce que la douleur était énorme. Vous n'imaginez pas quand vous faites de grands projets avec celle que vous aimez ou celui que vous aimez et cette personne vous lâche en cours de route. Ça fait plus que mal. Surtout quand c'est la mort, là, c'est vraiment dur de revenir. Mais je vous avais dit ici dans une vidéo, lorsque nous avons appris la nouvelle, que Suspect 95, certes, aimait énormément sa femme, la mère de sa fille, mais c'est quelqu'un qui a un moral de fer. Pour son jeune âge, je pense qu'il fait au moins 40 ans ou 45 ans de maturité. Ça, je peux vous le dire. Et il a compris que c'est vrai qu'il a perdu sa femme, c'est vrai qu'il ne pourra pas essuyer cette douleur-là, faire partie de cette douleur-là, mais il faut penser aussi à leur fruit, c'est-à-dire la fille qu'il a eue avec cette dame-là. Et il signe son retour de plus belle avec un gros concert. Je pense qu'il se déroulera ce 27 mars du côté du Palais de la Culture, juste après le concert de DJ Kerosene. Vous savez, on lui a apporté notre soutien financier, moral, spirituel. Mais la meilleure des manières pour faire revenir au top niveau, à son top niveau, l'artiste Suspect 95, c'est de sortir tous ce 27 mars-là. Voilà, parce que ce n'est pas une petite annonce. Un artiste qui perd sa femme, qui est vraiment à zéro moralement, qui décide de nous revenir, mais pas seulement en musique, avec un gros concert, je pense qu'il le mérite amplement. Je pense qu'il le mérite et je pense que les Ivoiriens sont solidaires pour ce genre d'action-là et nous sortirons massivement. Donc je préviens mes abonnés résidents en Côte d'Ivoire et ceux même qui sont de l'extérieur qui pourront effectuer les déplacements, vous dire que Suspect 95 revient. Il revient avec un gros concert au Palais de la Culture. Voilà. Une chose est sûre, ça sera magique. Une chose est sûre, ça sera l'eau. Une chose est sûre, ce concert sera archi-comble. Parce que Suspect 95, c'est la star ivoirienne qui fait des directs sur son Instagram vers 2h, 3h et qui réunit plus de 60 000 personnes en direct. C'est pour vous dire qu'il est quand même aimé. C'est pour vous dire qu'il a de l'audience. Et c'est pas que les fans du rap ivoirien qui aiment Suspect 95. Il y a des fans du Coupé Décalé qui aiment Suspect 95. Il y a des fans du Zouglou qui aiment Suspect 95 parce que son rap ivoirien à lui est un mélange de sonorités de Coupé Décalé, de Zouglou et de rap R&B. Donc je pense qu'il faut sortir soutenir Suspect 95. Merci pour ton retour. Sache que nous sommes de cœur avec toi et nous allons te le démontrer ce 27 mars du côté du Palais de la Culture. Maintenant, pour les fans de Bordeaux qui ne le savent pas, de Bordeaux nous a quittés il y a deux jours pour la France parce que je vous ai dit qu'il prépare vraiment quelque chose de monstrueux, quelque chose de lourd, quelque chose qui va vous faire oublier cette longue attente-là. C'est vrai que ça fait longtemps, c'est vrai que ça dure, mais nous vous prions de continuer de soutenir l'artiste, de continuer de le porter en prière pour qu'il nous revienne de plus belle, afin que ce Coupé Décalé soit à un niveau pas possible. Voilà, déjà que Mix, Serge Meno, comment il s'appelle, Safaro Le Biang, Ariel Chiné, comment il s'appelle encore, Kerosene, font tous leurs efforts, et même Kedji Vara aussi qui a sorti un maxi single, je crois puissance 7 ou puissance 8 de 6 titres, on attend que des Bordeaux, voilà, et je pense qu'il répare encore pour son album, pour plein de belles surprises, et il nous reviendra dans un mois et demi, si je ne me trompe pas, selon mes sources d'informations, et j'aimerais vous dire de rester fidèle à votre artiste, et de lui faire confiance, voilà, moi comme vous, je suis très impatient de l'écouter musicalement. Je suis très impatient d'écouter ses nouvelles sorties, mais vous savez que l'artiste sait bien faire les choses. Voilà, il dit qu'il ne chante pas pour la quantité, mais il aime chanter de la qualité. Donc il faut comprendre cela et restez connectés, abonnez-vous surtout à sa page Instagram, continuez de vous abonner à sa page Instagram. Je vous ai déjà fait une ou deux vidéos sur le sujet, abonnez-vous à sa page Instagram. Voilà, quand vous allez taper sur Instagram, c'est la page Instagram qui a plus de 70 000 abonnés maintenant. Voilà, je ne me rappelle plus bien de la photo de profil, mais il faut aller vous abonner à sa page Instagram. Parce que je vous ai dit que son Facebook avait un petit souci à mon observation. Et je pense que ça s'avère vrai, parce que jusque-là, il n'y a pas de post sur sa page Facebook. Donc, allez, toutes les informations seront données sur sa page Instagram. Actuellement, Debordo Likoufa est en France pour le boulot et il nous reviendra bientôt. Voilà, c'était la vidéo du jour. Partagez-la si elle vous a plu et puis on est ensemble. Ciao, ciao.